Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour le défi des 100 jours, saison 10. Saison 10. Enfin, 10 saisons de défi des 100 jours en combien? En peut-être 5 ans. C'est juste extraordinaire d'arriver à la saison 10. Normalement, j'en ai fait beaucoup plus parce que je me suis arrêté beaucoup en cours de route, en fait. Et du coup, je devrais être à plus de 10 saisons. Mais si on calcule bien, donc 10 saisons de 100 jours, on est à 1000 jours de défi des 100 jours. Mais c'est juste ouf, quoi. 1000 jours. 1000 jours. Et j'en ai encore sur le défi des 100 jours qui en sont à 30 saisons, 50 saisons. Donc faites le calcul, ça fait 5000 jours. C'est juste extraordinaire. Donc on reprend le défi des 100 jours, saison 10. Avec un nouvel angle de caméra, avec un nouveau setup en quelque sorte. Donc là, j'ai mon micro, j'ai un super micro. Alors attention, ça va faire du bruit. Voilà. J'ai un super micro que j'avais acheté il y a quelques temps pour faire des podcasts, pour faire un petit peu de formation et tout. Et je me suis dit, je vais le faire pour le défi des 100 jours. Ça peut être pas mal, comme ça vous m'entendez bien. Logiquement, alors attendez, je fais un petit essai. Logiquement, on m'entend bien. Oui, on m'entend comme à la radio. Donc c'est juste extraordinaire en fait. Je mets les écouteurs pour essayer de m'entendre en même temps. Mais c'est juste trop bien. Donc du coup, voilà, on va recommencer cette saison. Donc je sais pas si ça va être le jour 1 aujourd'hui ou si ça va être juste une déclaration d'intention. Je vais voir. Hein. Je pense qu'on va commencer directement le jour 1. Je n'ai toujours pas de générique parce que j'ai envie de le changer un petit peu de générique. Je vais voir si je le fais aujourd'hui ou pas. Mais du coup, j'ai envie qu'il se passe des choses de dingue dans ce défi des 100 jours cette année. Enfin, cette saison, je m'embrouille en fait. J'ai envie qu'il se passe des choses de ouf dans cette saison parce que la saison 9, comme je vous avais dit dans le bilan, c'est vraiment super bien passé, a été juste extraordinaire. Et j'ai envie que cette saison 10 soit encore plus au niveau de mes attentes, au niveau de ce que je veux. Donc je vais vraiment m'atteler à ce qu'elle soit extraordinaire cette saison et de vous la faire partager en vidéo parce que maintenant, je n'ai plus peur de faire des vidéos dans la rue, sur YouTube et tout, sur Facebook, j'adore maintenant ce que je fais et j'adore inspirer les gens. Là, j'ai eu un petit coup de mou ces derniers jours. J'étais vraiment fatigué, j'étais assez... même encore aujourd'hui, je suis encore un petit peu fatigué, je sais pas pourquoi. Après, j'ai passé un sacré week-end aussi. Mais du coup, il faut que je m'attelle à mes objectifs. Vous voyez derrière, il y a tout ce qui est cadre de vision. Donc, je vais essayer de reconstruire un peu tout ça. Et ça va être juste extraordinaire cette saison. Voilà, je voulais vous la faire partager. Donc du coup, on attaque la saison 10. On est au jour 1. Et puis c'est parti quoi. Il va se passer des choses de ouf. Je vais essayer de voir avec cet angle de caméra. Je vais voir si je peux pas changer un peu. Peut-être aménager une partie dans mon appartement. Alors je suis en train de vérifier. Pour justement le défi des 100 jours. Pour vous faire partager tout ça. Alors après, si je peux essayer d'en faire un petit peu en vidéo, ça serait pas mal aussi. Mais là, du coup, voilà. Sur cette chaîne, il va se passer d'énormes choses parce que déjà, vous avez dû le voir, il y a du vlog. Là, je vais remettre d'autres vidéos de vlog que j'ai mises sur ma page. Mais j'ai envie de vous faire partager un petit peu mon quotidien de réalisateur, de personnes qui se cherchent dans le développement personnel. Donc du coup, ça va être extraordinaire. Donc voilà, je parle calmement parce que j'ai pas envie de gueuler dans le micro parce que je suis dans un appartement où il y a du monde, les fenêtres sont ouvertes, il y a du monde aussi pas loin. J'ai pas envie de réveiller tout le monde, j'ai pas envie de saouler tout le monde, mais n'oubliez pas que j'ai toujours cet enthousiasme de réussir, d'être aussi battant dans mes objectifs, et j'ai beaucoup d'idées en ce moment et j'ai envie de les mettre en œuvre. Donc en tout cas les amis, je vous fais d'énormes bisous, merci de me suivre sur le défi des 100 jours, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez envie de partager des choses, si vous trouvez ces vidéos intéressantes. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Bye !